Le but de cette vidéo, c'est de corriger la dernière évaluation formative sur les transformations. Vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, donc je me suis dit, je ferai cette vidéo, on va travailler pas à pas. Je vous invite à faire le même travail en même temps et de ne pas regarder tout simplement. Je vais commencer par la symétrie orthogonale d'axe D. Donc ça se note de cette manière, symétrie orthogonale d'axe D. C'est un axe parce qu'on a écrit la lettre en minuscule. Donc, on a la droite D qui va être l'axe de symétrie. Ceci dit, je vais commencer le travail. On aura besoin d'une équerre. Donc, prenez l'équerre parce que, par définition, la translation, la symétrie orthogonale, pardon, est la transformation qui va permettre à chaque point de passer de l'autre côté de l'axe perpendiculairement et avec la même distance. Donc ceci dit, je vais commencer à travailler. La majorité de temps, quand il y a un problème, c'est qu'on n'a pas réussi à faire la perpendiculaire. Là, je vais me servir de cet équerre vertigène pour faire ce travail. Voilà, et on va travailler point par point. On est en train de voir le point A. Je vais passer de l'autre côté avec la même distance. Donc ici, on voit 1,3. Je vais aller dans la même distance jusqu'à 1,3. Et le tout, c'est perpendiculairrement à la droite. Donc c'est un tout petit peu plus difficile à travailler virtuellement, mais voilà, c'est ça. Donc le point A est en train de devenir le point A prime. Maintenant, je vais faire la même chose pour le point B. Donc je vérifie encore une fois que c'est perpendiculaire grâce à l'équerre et on va passer avec la même distance. La même distance, donc ici c'est 2,1, 2,2. Donc je vais aller de 2,1, 2,2 jusque de l'autre côté de l'axe. Voilà. Donc ce nouveau point est le point B'. Je continue avec un autre point qui est le point C. Je vais répéter la même chose, perpendiculairement, même distance. Et là, on est presque à 5,5. Je ne vais pas répéter la même chose pour ne pas perdre beaucoup de temps, mais voilà, on arrive à ce point C'. Maintenant, le point D. Et on y arrive, donc là on a la distance pour que ça soit visible pour tout le monde. Donc de là jusqu'au point D, c'est 6,7. Donc je vais aller prendre le 6,7 de l'autre côté. C'est le point D'. Et je termine par le point E qui va aller au niveau du point D'. Il faut bien positionner la perpendiculaire, l'équerre pour que ce soit perpendiculaire. Et 4,1. 4,1. C'est ce point-là. Le point E'. Maintenant qu'on a fait tout ce travail, il faut relier tout ce qui a été fait. Je vais bouger un peu l'équerre. Et à l'aide d'une latte, il faut relier tous les points. Donc A' jusqu'à B', B' jusqu'à C', C' jusqu'à D', D' jusqu'à E' et E' jusqu'à A'. Et là, on est en train de voir que c'est bien une symétrie orthogonale d'axe D qui nous permet de construire cette image.
Maintenant, on va faire la symétrie centrale de centre O. Et elle va se noter S avec un O majuscule. Donc symétrie de centre O. Donc pour cela, on n'utilise pas de perpendiculaire. C'est un peu plus facile. Il faut passer de l'autre côté du centre avec la même distance. Donc, de l'autre côté du centre avec la même distance, si je commence avec le O, C, là, je vais construire le segment OC. Peut-être c'est plus facile si je travaille avec un autre outil. Voilà, avec la règle. Ok. On va passer de l'autre côté avec de l'autre côté du centre avec la même distance. Donc ici, c'est même pas nécessaire de commencer à faire des perpendiculaires parce que de toute façon, on peut pas faire une perpendiculaire à un point. On va prendre la même distance, donc on voit du point C jusqu'au point O, c'est 4,1. Si on double, ça va aller jusqu'à 8,2. Voilà. Donc le point C devient le point C'. Maintenant, même chose pour le point B. On est à 6,5. Si je double 6,5, on atteint le 13. Donc on va avoir le point B' ici. Donc c'est la même distance, on ne doit pas oublier cela. On continue avec le point D, qui va tout le temps passer alors, si on a compris le principe, jusqu'au point O, avec la même distance. Là, je dois agrandir un tout petit peu la natte. C'est convenable ici. Ah oui, et ça me permet de vous montrer aussi comment on peut utiliser le compas pour faire ce même travail. Donc avec le compas, on va utiliser ça tout à l'heure avec beaucoup plus de détails pour la rotation. Mais pour éviter de mesurer, je peux aussi faire ça. Prendre la distance du centre O jusqu'au D et tout simplement tourner et on va trouver le point. Voilà. C'est peut-être plus facile que de commencer à doubler ou à bouger la latte. Dans tous les cas, on obtient le même point, le point D'. Je continue avec le E. Jusqu'au haut, là c'est aussi la même chose. Je vais utiliser encore une fois le compas. Donc je mets la pointe du compas sur le centre et le bout de la mine de l'autre côté et on commence à mesurer. Je vais le bouger un peu. Et ça passe de l'autre côté avec la même distance. Ou on peut tout simplement bouger la latte aussi. Donc vous faites ce que vous voulez. Du moment qu'on est en train d'utiliser la même distance. Et ce point-là, c'est le point E'. Donc on a trouvé le B, C, E, il nous manque encore le A. Voilà, jusqu'au centre O, avec la même distance. Ici, c'est facile, 11,5. On double, ça fait 23. Et
Ça m'évite de perdre le temps et je mets directement ce point qui est le point A'. Maintenant, si tout mon travail est bon, je devrais obtenir la même image qui a été retournée, qui a été tournée plutôt de 180 degrés. Voilà. A', B', de B' jusqu'à C', C' jusqu'à D', D' jusqu'à E', et puis on revient. Alors, un tout petit détail, on a déjà utilisé le A' sur cette figure, donc on va mettre A seconde, B seconde, C seconde, D seconde, E seconde, parce qu'on ne peut pas avoir le même point qui est présent plusieurs fois, donc on va mettre ces petits indices là-dessus. Ok, donc comme on vient de voir, on avait la première figure qui avait la pointe vers le haut, son image à la pointe vers le bas. Donc c'est bien la preuve qu'elle a été tournée de 180 degrés. C'est une rotation, on va faire tout à l'heure la rotation en long, en large. Peut-être un petit mot aussi par rapport à ça. On a déjà vu dans le cours que l'image par la symétrie centrale va donner une demi-droite qui est parallèle et de sens contraire. On va vérifier si ça fonctionne. Le DE, on peut dire que c'est un vecteur qui va dans ce sens-là. Le D', E', lui est effectivement parallèle et il est de sens contraire. On vérifie la même chose pour le AE. Il est en train de monter. A seconde, E seconde est en train de descendre et parallèlement. Donc voilà. Si je suis en train de dire ça, c'est qu'il y a moyen de faire la même figure à l'économie, c'est-à-dire en utilisant le moins de symétrie centrale possible. Peut-être je pouvais faire le C' en utilisant le passage de l'autre côté avec la même distance, et puis à partir de là faire des parallèles et de sens contraire, des segments parallèles et de sens contraire. On passe maintenant à la translation. Donc tout ça, c'est un rappel de la classe de première secondaire pour la translation. Par définition, c'est la transformation qui va nous permettre de passer que tout point puisse passer parallèlement, de même sens et avec la même distance. Donc ici, c'est un peu plus facile de faire ça, de faire les parallèles, et ça va être hyper exact. Donc même, je peux copier-coller, mais malheureusement, c'est presque pas possible de faire ça sans ordinateur. Donc, pour cela, on va voir comment faire les parallèles en utilisant l'équerre. Voilà, mais je termine, comme ça j'ai une image convenable. Je vérifie bien, est-ce que ce que j'ai construit sont des segments qui sont parallèles à IJ? Oui, ils sont bien parallèles à IJ. Ils sont de même sens, parce que la flèche est en train d'aller vers le haut. Ok, alors comment va-t-on faire pour les parallèles en utilisant l'équerre? Alors, avec l'équerre, c'est sûr que ce n'est pas en secondaire qu'on apprend à faire les parallèles, mais le but c'est de vous donner un petit résumé ou un rappel sur ça. Donc je commence avec la tranche qui est l'hypoténuse de ce triangle, c'est-à-dire le côté le plus long de l'équerre. Je le mets et je vais profiter des petites barres qu'on est en train de voir là pour faire les parallèles. Alors ici, comme je veux tracer les parallèles de l'autre côté, donc je vais tourner ça et je commence à mettre la tranche
Voilà, ici. Et je commence à glisser. Et pour être sûr que je reste parallèle, je profite des petites barres qu'on avait vues tout à l'heure. Voilà. Donc ça est effectivement parallèle à IJ qu'on avait au départ. On peut continuer à le glisser jusqu'à passer par le C, etc. Et tout le temps, je dois veiller que ça doit être de la même distance. Donc ici, la distance était de 0 jusqu'à 7. Voilà. Alors, tous les autres vecteurs doivent être parallèles et de 0 jusqu'à 7. 7 cm. Sinon, il y a un problème dans notre travail. Quand tout ça est bien fait, je nomme les nouveaux points, donc des tierces, ou pour ne pas compliquer, on va dire des 1, C1, E1, A1 et B1. Et maintenant, on va tout relier des E. A, le A jusqu'à B, le B jusqu'à C, le C jusqu'à D, et voilà. Et là, on est en train de voir que A, B, C, D, E, ce pentagone, a été glissé suivant le IJ. A1, B1, C1, D1, E1. Donc c'est comme ça qu'on dit, on glisse la figure avec un certain sens et une certaine direction. Alors, maintenant pour aussi le rappel qu'on avait vu. Donc, l'image par la translation, donc on avait vu dans le cours que si on a une demi-droite ou un segment, on va voir un segment qui lui est parallèle et de même sens. Et c'est bien vrai. Le C vers le D est un segment qui monte. Le C1D1 est un vecteur qui lui est parallèle et qui monte aussi. BC, voilà. Et cette propriété nous permet de faire une construction à l'économie sans construire point par point toute la figure. Alors maintenant pour la deuxième partie, qui est celle de la rotation. Donc on va travailler ensemble la rotation de centre haut et de moins. C'était à l'évaluation 65 degrés. Ouais, de toute façon, on va le faire. 65, 75, tout le travail est à nous. Donc, je peux même faire 85 degrés pour vous expliquer quelque chose. Ok. Bon, alors maintenant, comment va-t-on faire pratiquement? On aura besoin de sûrement l'équerre, aristo, ou d'un rapporteur, et je vais montrer la différence entre les deux. Je vais commencer d'abord avec l'explication avec l'équerre, et puis on va passer au rapporteur. Donc on aura besoin de l'équerre, d'un compas, et on va commencer le travail. Je vais expliquer pour le premier. Donc on travaille toujours point par point. Je vais commencer par le point B. Première étape, construire le segment OB. Deuxième étape, prendre mon compas et mettre la pointe sur le centre. Troisième étape, prendre la mesure du segment OB. Alors maintenant, c'est la quatrième étape qui est assez importante. On doit bien identifier le sens. On avait vu dans le cours qu'on regarde le sens des aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre tournent de cette manière. Ça, c'est le sens négatif. Donc le sens des aiguilles d'une montre est le sens négatif. Donc le sens contraire est le sens positif. Ceci dit, j'imagine que OB est
tout simplement l'aiguille des secondes. Comment va-t-elle faire pour tourner? Est-ce qu'elle va tourner dans le sens négatif? Oui, parce que les aiguilles d'une montre tournent dans le sens négatif, c'est comme ça. Bon, alors ceci dit, comme on a moins 85 degrés, ça va monter, ça va suivre les aiguilles d'une montre. Bon, donc première étape, tracer OB. Deuxième étape, en gros, tracer l'arc en respectant le sens. On a moins 85, donc il va aller dans ce sens-là. La dernière étape, c'est de commencer maintenant à utiliser mon équerre. Maintenant, pour l'équerre, on doit faire très très attention. Bon, beaucoup de personnes se trompent au niveau de l'équerre, parce qu'ils ne savent même pas comment l'utiliser. Déjà, je vois beaucoup d'entre vous qui vont commencer à le mettre comme ça, et de commencer à construire. On peut peut-être le tenir comme ça si le but c'est de faire une perpendiculaire, mais le but c'est pas de faire une perpendiculaire. Donc le but c'est de mesurer un angle. Donc il faut tout le temps faire attention et regarder où se trouve le zéro. Bon, on a deux zéros, je vais effacer ça plus tard. On a un zéro qui est à ce niveau-là, c'est le 0 degré, et ça coïncide avec la partie intérieure. Et il y a un 0 qui est de ce côté-là et qui coïncide avec les graduations extérieures 0, 10, 20, 30, 40. Il faut savoir maîtriser ces graduations pour pouvoir l'utiliser. On a un autre 0 très important qui est celui-là qu'on doit aussi bien identifier. Donc je recommence, je sais que ce n'est pas un cours de secondaire ça, mais peu importe. On veut tracer un angle au centre qui est égal à moins 85 degrés. Il ne faut pas alors venir mettre le 0 à ce niveau-là. C'est faux. Le 0 va être au niveau du centre, c'est-à-dire le haut. Je vais alors bouger mon équerre jusqu'au haut. Et puis, regardez le 85 degrés. Mais avant de continuer, je vais montrer une erreur assez classique. Il y en a ceux qui font ça. C'est faux, parce que si on commence à faire cela, on n'est pas en train de commencer au niveau de 0. On commence notre angle au niveau du 6 degrés. Voilà. Alors, on est en train de décaler l'image et on va voir des problèmes. Donc, on commence à ce niveau-là, 0. Et là, il y a deux choix. Le premier, il y en a ceux qui vont directement dire, bon, je vois le 85, il y a un 85 là, et il y a un 85 là. Et comment est-ce que je vais faire pour déterminer c'est lequel? Bon, une astuce qui fonctionne en général, c'est de dire, mais bon, est-ce que c'est un angle aigu ou obtus? 85 est moins que 90 degrés, donc si je veux faire un angle aigu, ça devrait être celui-là. Et j'ai fait exprès d'utiliser 85 degrés justement parce que c'est un peu difficile de voir si c'est aigu ou obtus. Pour cela, je veux insister sur le fait de regarder où est la demi-droite initiale. La demi-droite initiale est du côté du zéro intérieur. Donc on commence 0, 10, 20, 30. On est en train d'utiliser les graduations intérieures. On va continuer jusqu'à 85. Une fois qu'on a trouvé le 85, ça me permet de faire l'angle. OK. Alors, où se trouve le point B'? Le point B' va être le point d'intersection entre l'angle que je viens de tracer et l'arc. C'est un travail, bon, il faut être rigoureux quand on fait ce travail-là. On va faire le même ou la même construction en utilisant une autre couleur et on va tourner cette fois-ci le point C. Donc, première étape,
comme on l'a dit tout à l'heure, tracer le segment OC. Deuxième étape, prendre le compas, mettre la pointe toujours au niveau du centre O, tourner. J'espère, oui, voilà, je pourrais le faire. Identifier le sens, c'est le sens négatif, donc c'est le sens des aiguilles d'une montre. On va tourner. J'ai plus besoin du compas. Maintenant, je vais faire le même travail en utilisant le rapporteur. OK. Pour le rapporteur, je vous ai choisi ce rapporteur que je vois aussi entre vos mains. Et c'est pour montrer quelque chose d'important. Là, pour ce rapporteur-là, je ne peux pas travailler comme tout à l'heure. Je ne peux pas commencer à dire, bon, je vais le tourner, le mettre sur le haut, comme ça, et travailler. C'est vrai que la tranche est ici. Je montre. Mais là, pour le rapporteur, je ne peux pas mettre la tranche et commencer à mesurer l'angle, parce que la tranche là n'est pas le zéro. Le zéro est ici. Donc il faut bien vérifier ce qu'on a entre les mains, quel est l'instrument qu'on a entre les mains, et le manipuler convenablement. Donc ceci dit, je vais bouger alors. Voilà. Mettre le 0 sur le haut. Et maintenant, je vais... Oui, maintenant, quelle graduation va-t-on utiliser? Tout à l'heure, j'avais utilisé les graduations intérieures. Alors ici, on va utiliser les extérieures parce que justement, au niveau de ça, de cette demi-droite initiale, on a le 0 qui se trouve à l'extérieur. Donc 0, 10, 20, 30, etc. jusqu'à arriver à 85. Donc là, on ne mémorise pas. On regarde ce qu'on a. Et on travaille. Maintenant, le point d'intersection, comme on a vu tout à l'heure, c'est entre l'arc et l'angle. Voilà. Le point B est devenu B', le C est devenu C'. Maintenant, on va faire la même chose avec le D en utilisant encore une couleur. Vous faites tout avec la même couleur, c'est pas grave, mais bon, c'est pour montrer qu'on ne se perd pas. Voilà. Le D, je répète, travaillez en même temps que moi. On prend le compas. On va déposer la pointe sur le centre haut. On tourne pour mettre la mine sur le D. On identifie le sens négatif parce qu'on nous a dit de tourner dans moins 85. Et maintenant, on y va. C'est le tour de l'équerre ou du rapporteur. Là, je vais utiliser l'équerre parce que la majorité l'utilise. En classe, voilà. OK. 85, on a vu, donc la demi-droite est ici. Donc je commence 10, 20, 30, 40 jusqu'à 85. Ça va être ce point-là. 4,25. Et le point d'intersection va être le point D'. On a encore le E et le A à faire, on a terminé après. Donc le E. Allez. Première étape. Construire le segment OE. Deuxième étape, prendre le compas, mettre la pointe sur le centre O, mesurer la distance de O jusqu'à E,
est tournée dans le bon sens. Voilà. Je suis en train de dépasser les 90 degrés. Bon, je peux faire 90 degrés, c'est pas important ça, puisque de toute façon, je cherche le point d'intersection. Et maintenant, comme d'habitude, on tourne. On a bien compris qu'il faut utiliser la tranche. Voilà, elle est là. C'est ce côté-là. Le 85. Le 85. C'est ici. Je nomme le point. C'est le point E prime. Le dernier point est le point A, le segment OA. Le compas est toujours là. Je prends la bonne distance. Voilà la longueur de O jusqu'à A. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant, je n'ai plus besoin de ce compas. On prend l'équerre. On utilise le haut convenablement, le 0. Là, il est un peu décalé ce point. Je vais tout simplement, voilà, il est bon. Le point O. Il faut le mettre convenablement. Au C1D, vous allez avoir une tolérance de 1 degré, mais on veut bien le faire. Maintenant, du point O jusqu'au 85, et on met directement le point d'intersection. Voilà. A prime. Ok. Maintenant, à l'aide d'une latte, on va relier tous les points qu'on a trouvés ensemble, donc le A vers le B, A prime vers le B prime, C prime, D prime, E prime, et E prime jusqu'à A prime, et on a terminé. Et là, c'est bien clair qu'on avait cette première figure, bon, on l'a bloquée, on l'a tournée complètement d'un angle de 85 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est pour ça qu'on a. Voilà. Donc regarder ce qui a été fait, c'est bien, mais faire le travail par vous-même, c'est encore mieux. Alors avant de partir, qu'est-ce qu'on change si on fait RO 85 degrés? Bon, on va faire exactement la même chose, mais au lieu de monter dans le sens négatif, on va aller dans le sens positif. Donc on va avoir probablement la figure qui est quelque part là. Elle va tourner dans le sens positif. Voilà, je vous laisse faire ce travail. Préparez-vous bien pour l'évaluation certificative de ce chapitre.